J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis.